Salut à tous, c'est Wilky, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour un tuto sur PES Club Manager. Comment envoyer un joueur au Panthéon. Donc un Panthéon c'est pour inscrire sa légende de son club dans une équipe où ensuite vous pourrez jouer avec cette équipe pour des défis ou tous des petits trucs comme ça que je vais vous montrer après. Donc bon, on va déjà commencer par ça alors. C'est pour des petites compétitions comme Classic Master pour gagner ensuite des récompenses comme des joueurs un peu plus forts. Là par exemple, vous voyez où j'en suis. Et consulter les récompenses, vous pouvez gagner, voilà, par rapport au classement que vous êtes, vous pouvez gagner ceci. Donc voilà, permis de construire, je sais pas trop ce que c'est. Alors. Donc pour envoyer un joueur au Panthéon, donc tout simplement vous allez recevoir déjà une notification info équipe et joueur. Certains joueurs sont désormais éligibles pour le Panthéon, donc là ça va vous mettre des noms. Voilà, le nom des joueurs, ça va vous mettre là. Alors ensuite pour faire ça, vous devrez vous retrouver dans le menu, aller dans Panthéon. Ensuite une fois dans Panthéon, allez ici, vu qu'à droite c'était voir son équipe, faire son équipe avec les joueurs sélectionnés qui sont actuellement ici. Donc là, vous pouvez introniser les joueurs. Donc ça, c'est les joueurs qui ont été faits. Donc voilà, vous pouvez lui l'introniser. Je crois que je vais ensuite le mettre à jour. Donc voilà. Par exemple, si il est comme Modric, moi, vous voyez là, il a 94. Là, à 30 ans, il peut avoir 95 ou plus ou pareil ou moins. Comme Sturridge, là, à 31 ans. 31 ans, il avait 86. Maintenant, à 32 ans. Il a 84 et je veux pas mettre OK vu que si ça met OK, vous passez à la version 84. Donc au moins vous pouvez garder au moins le meilleur. Donc voilà, donc une fois que vous êtes là, donc une fois que voilà, le mettre à jour, c'est juste pour le mettre à jour. Si vous avez augmenté sa note générale. Donc moi je n'ai pas fait ça. Donc là on voit bien que c'est Goulam. Donc là il est au Panthéon. Donc vous allez voir qu'il est aussi dans mon équipe actuelle. Vu que comme vous voyez je peux le mettre à jour. Donc pour cela on va aller dans contrat. Une fois dans contrat vous allez dans liste des joueurs actuellement qui sont en train de jouer. Donc on avait dit que c'était Goulam. Donc Goulam on te retrouve là. Et là vous allez pas mettre vendre. Renouvellement de contrat c'est parce qu'il avait plus de contrat. Donc normalement il n'y a pas. Vous allez mettre part à la retraite. Envoyer ce joueur à la retraite. Donc ici un entraîneur spécial. Vous pouvez le transmettre à un autre joueur. Donc moi je vais le transmettre. C'est quoi son truc? Ouais, c'est un peu. Je vais le transmettre. Ouais non. Bah j'ai pas trop envie de transmettre vu qu'un gardien, ce sera un peu bizarre. Donc ensuite ça va vous mettre ça, retirer, voilà. Le joueur est parti du club. Donc une fois qu'il est parti, ok. Une fois qu'il est parti, vous allez vous retrouver dans. Donc là, il n'est plus dans votre club. Hein. Vous pouvez plus jouer avec ce joueur. Et vous allez voir ensuite, vous allez dans Panthéon. Donc, on se retrouve dans le menu. Panthéon. Les joueurs. Et là, vous allez voir que Goulam, je peux plus le mettre à jour. Donc voilà, maintenant il est inscrit en tant que légende dans mon club. Donc voilà, donc Goulam, désolé. Je vais pas plus longtemps le garder et ensuite pour le retirer bah voilà vous avez juste à faire ça et là bah le joueur n'existe plus, il n'existe plus dans votre club. Donc voilà, donc voilà vous voyez un petit peu mes joueurs que j'ai actuellement en Panthéon. Donc, voilà. Neymar il a une mauvaise note vu que c'était la toute première fois et je ne savais pas comment faire pour le mettre et il n'y a pas eu les mises à jour pour ensuite mettre à jour tout ça. Donc voilà, donc là si vous bah voilà je pense que ça sera tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là ensuite vous avez votre équipe de Panthéon juste une petite parenthèse, là vous avez des joueurs guest player. Donc pour cela vous appuyez dessus, vous appuyez sur remplacer. Et ça va vous remplacer par un joueur que vous avez inscrit. Donc moi par exemple si j'ai envie de mettre je sais pas
Si je veux mettre Summer, il va me le mettre. Là, vous voyez qu'on peut échanger, mais bon, je vais pas le faire vu que voilà, j'ai pas besoin d'un autre gardien. J'en ai déjà un. Et après, vous mettez échanger et ça remplace le joueur qui est actuellement sur le terrain. Donc ensuite, vous pouvez jouer avec, enfin jouer. Il pourra participer à des matchs de ce que je venais de vous montrer de la compétition pour gagner des récompenses. Et voilà, donc là ensuite vous voyez ici équipe de Panthéon limite max, donc les joueurs c'est moi, il est niveau 3, donc je vais vous montrer après, mais au niveau 3 il peut avoir maximum 2 joueurs 7 étoiles, 5 joueurs 6 étoiles et 5 et 12 joueurs 5 étoiles. Donc après vous allez me dire, oui mais comment tu fais pour l'améliorer, pour avoir plus de place, pour avoir des joueurs 7 étoiles par exemple. Donc vous allez dans ma ville et ce qu'il faut améliorer c'est le musée du club. Voilà, donc ensuite une fois que je l'améliore niveau 4, il y a toujours 2 joueurs 7 étoiles, maintenant 8 joueurs de 6 étoiles et 7 joueurs de 5 étoiles. Donc les 6 étoiles c'est mieux vu qu'avoir 3 joueurs en plus c'est aussi bien, mais bon faut être division haute niveau 1 ou plus. Donc voilà, remplir les statistiques qui sont actuellement ici présents, et moi j'améliore tout niveau 5 pour par la suite améliorer mon stade au niveau 6 qui va quand même pas mal changer et avoir plus de capacité et avoir plus de primes d'argent à la fin des matchs. Donc voilà, ça sera tout pour ce petit tuto, cette vidéo. J'espère que j'ai bien été constructif pour vous. S'il y a un petit problème, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais normalement tout est bon et vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.